Je dirais que le rôle de l'écrivain, c'est le rôle qu'il se donne. Il y a plusieurs façons de se donner des objectifs quand on écrit, mais de toute façon, on ne peut qu'être le témoin de son temps, quel que soit le genre de texte que l'on écrit. On va faire partie de la mémoire du monde en écrivant le réel, en l'imaginant, parce qu'imaginer le monde, c'est aussi l'écrire. Je pense que la littérature, c'est un champ immense de liberté, à supposer bien sûr que l'on vit dans un pays libre de liberté. Mais il y a une définition de la littérature qui me plaît, que j'ai lue il y a quelques jours dans une revue, et c'est Yannick Enel qui l'a donnée, en réponse à son interlocuteur, qui était lui aussi écrivain et cinéaste. Et cet interlocuteur disait que tout passe par la politique et rien ne s'accomplit. Et Yannick Enel lui répondait: la littérature est le lieu où s'accomplit la politique qui n'a pas eu lieu.